Retrouvez toute l'actu du RCT sur le blog des supporters. www.blog-rct.com www.blog-rct.com. Actu, transfert, interview, vidéo. Vous saurez tout sur les rouges et noirs sur www.blog-rct.com. Blog non officiel. La touche avec le lancer pour Orioli, qui est rentré dans cette défense des Harlequins. Orioli, prise de balle de Joël Apt, ballon porté des Toulonnais, avec le soutien de tout le stade Mayol. Allez, le ballon dans les bras de Stephen Armitage, à la manœuvre Sébastien Tillius-Ward, ça reste debout, ça va y aller, et ça y est. C'est un essai dans la pure tradition toulonnaise. On n'avait pas encore vu les journaux à Mayol. Et bien les journaux sont sortis, le public est heureux. On revoit, parfaitement amené, parfaitement orienté cette mêlée spontanée avec tout le temps le ballon le plus reculé possible dans la structure pour éviter la phase de front provoquée par les joueurs londoniens. Et il me semble que c'est Stephen Armitage qui va venir s'affaler dans cet embut pour marquer cet essai pour le RCT. C'est effectivement Stephen Armitage qui aura fait un gros match. Je pense qu'il sera peut-être pas loin d'être l'homme du match, Stephen Armitage, dans ce match. Et c'est la plus grosse défaite des Harlequins en challenge européen. Jamais les Harlequins n'avaient été bougés comme ça. Ils sont venus à Toulon, ils ont vu et ils ont perdu. 37-3 pour Toulon. Et peut-être 39 si Matt Guiteau réussit ce coup de pied. 100% au pied également, les Toulonnais pour l'instant. On ne fera pas 100% au pied. Non. On en reste à 37-3. Gros match des Toulonnais face aux Harlequins. Gabi Lovobalavu. Who's your captain now, guys?